Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, quand Lazare fut sorti du tombeau, beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent donc le conseil suprême. Ils disaient, qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'entre eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien. Vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même. Mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation. Et ce n'était pas seulement pour la nation, c'était afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de le tuer. C'est pourquoi Jésus ne se déplaçait plus ouvertement parmi les Juifs. Il partit pour la région proche du désert, dans la ville d'Éphraïm, où il séjourna avec ses disciples. Or, la Pâque juive était proche et beaucoup montèrent de la campagne à Jérusalem pour se purifier avant la Pâque. Ils cherchaient Jésus et dans le temple, ils se disaient entre eux. Qu'en pensez-vous? Il ne viendra sûrement pas à la fête. Les grands prêtres et les pharisiens avaient donné des ordres. Quiconque saurait où il était devait le dénoncer pour qu'on puisse l'arrêter. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs en Christ, voilà que l'étau se resserre autour de Jésus. Il est coincé. Et dans le temps, quand on regardait les films western, on écrivait pour celui qui était recherché wanted, c'est-à-dire recherché, mort ou vif. Alors on peut dire que la tête de Jésus est mise à prix, est mise à prix. Jésus n'ose plus se montrer publiquement. Il s'éloigne même de Jérusalem. Oui. On allait dire que c'en est fini pour lui. L'homme qui a parlé au nom de Dieu tout le temps, le voici qui aujourd'hui ne peut plus parler. Maintenant, Jésus fait face à son destin. Jésus ne se dérobe pas de sa mission. Il va jusqu'au bout pour accomplir sa mission. C'est pourquoi Jésus ira jusqu'à Jérusalem pour mourir, afin que, élevé sur la croix, il puisse embrasser tout le monde entier et que tous ceux qui vont lever les yeux vers Jésus et le reconnaîtront comme Christ et Seigneur puissent venir à Dieu afin d'être sauvés. Mes frères et mes sœurs, nous comprenons donc à travers ce passage que tout est mis en œuvre pour arrêter Jésus, mais pouvant leur échapper, il ne va pas aller dans ce sens, mais plutôt il va aller pour affronter la réalité de sa mission. La fin de sa mission, c'est qu'il meurt sur la croix. Non seulement mourir sur la croix, mais que par sa mort sur la croix, tous ceux qui accepteront de lever les yeux vers la croix puissent obtenir par lui le salut éternel. Que le Christ qui a accepté de se livrer pour nous sur la croix puisse nous aider à pouvoir lever notre tête vers la croix glorieuse afin de magnifier avec le Christ la puissance de Dieu qui se révèle dans la folie de la croix. Amen.